Donc on a été coupé à l'heure, donc c'est 1 heure. Avant, on pouvait avoir beaucoup plus longtemps. Donc on était en pleine discussion avec Nathalie. Je vais voir si elle est encore là pour qu'on puisse clore et rappeler un petit peu comment voir pour les ateliers. Voilà. Et voilà, le temps que je reposte tout ça. J'ai sorti. Donc oui, hein. Oui. Oui. Ouais, et parce que je sens, il n'y a aucune raison. Moi, ça fait très très longtemps, j'ai pas de douleur au dos. Mais depuis que je suis ici, tu vois, il y a eu le début du confinement. Tu te souviens la séance qu'on a faite qui a été super forte, cette douleur au niveau de la taille. Là, c'était au niveau de la taille et de la colonne vertébrale. Et ça a été la séance, la première séance d'ailleurs qu'on avait fait ensemble. Ça a été super fort. Plus de douleur après, fini. Donc c'était bien pointé sur ce qui se passait, qui remontait à tellement loin. Ça paraît complètement fou, quoi, tu vois. Mais là, je sens, et cette chambre, je ne peux pas dormir. J'arrive pas à dormir là. Moi, j'ai pris mon pendule, hein, et j'ai demandé, donc, est-ce que vraiment là où tu es, c'est un des chakras de la Terre? Alors, est-ce que c'est un des chakras de la Terre? Là, tu vois, ça dit non, c'est pas ça. Ouais. Enfin, c'est pas dans ces termes-là qu'il faut réfléchir, Ouais. mais est-ce que c'est un des centres énergétiques de la Terre très important? Alors là, on a du 100% oui. Et je demande, ben, est-ce que ça peut correspondre au rein, le centre énergétique du rein? Oui, c'est oui à 80%. Est-ce que c'est le méridien du rein? Donc, est-ce que c'est sur le méridien du rein? C'est 100%. Donc, ça veut dire que là, tu es sur le méridien du rein de la Terre. Et est-ce que donc cette fissure que tu ressens dans le dos, c'est en lien avec la faille de San Andreas? On est dans du 100% oui, tu vois? On est dans du 100% oui. Et est-ce qu'à travers toi, on peut arriver à transmuter ça? Ça dit oui à 100%. Ouais, et en Donc moi, ça veut ça dire. vibre fort. Là, ça vibre fort. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je peux Et amener ma conscience quand je fais mes exercices sur voilà. ça. Oui. Ouais, c'est ça. Et tu vois, bah, tu es dans un désert, c'est plein de cailloux. Le calcul, on pense au rein, le calcul Ouais, rénal. bien sûr, j'ai pensé à ça. Voilà. Tu vois, il y a toutes ces, on va dire, ces corrélations. Et en même Donc. temps, cet endroit, tu verras quand tu viens, il y a beaucoup d'eau en sous-sol. Parce qu'il y a énormément d'arbres, de genévriers. Et cet endroit-là est très vert. À côté, c'est là, la colline d'à côté, c'est pur, il n'y a rien. Mais ici, c'est tout cet endroit autour de moi, c'est très très vert. Voilà. Donc c'est en lien avec l'eau, les reins, c'est lié, tu vois. Donc c'est. On va s'amuser. Et puis en plus, ça a été intéressant parce que les liens, les reins sont reliés aussi avec les yeux. Et au début d'ici, quand j'étais ici, j'ai eu vraiment énormément de problèmes avec mes yeux. Ça va beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Mais Ben j'ai eu oui. énormément de problèmes avec les yeux. Je voyais très, très flou, les yeux qui pleuraient beaucoup. C'était l'été, il faisait très chaud, il y avait du vent. Mais quand même, tu vois, il m'a fallu un mois pour m'adapter, quoi. Ça a été dur. C'est lié aux reins aussi, tu vois. Et quand j'ai commencé à aller mieux au niveau des yeux, c'est là où je me suis fait ce truc au niveau du dos, quoi. Tu vois, en soulevant un truc. Ouais. Mais tu vois, c'est en fait ceux qui nous regardent là, ils peuvent comprendre que notre corps nous sert d'interface pour comprendre le milieu dans lequel nous sommes, ce qui est en train de se passer et comment nous, l'être humain, on est vraiment le moyen que le divin a d'équilibrer, d'harmoniser les choses. Bien Ça veut sûr. dire, dans beaucoup de traditions, il est dit que l'humain, c'est vraiment le point de communication entre les anges, les esprits d'un côté, et puis bah, les animaux, les végétaux, les minéraux de l'autre. Dans la Torah, tu vois, l'être humain, c'est au milieu, puis de chaque côté, tu as les animaux qui correspondent aux anges, hein, on l'avait dit une fois, les végétaux aux devas et les minéraux aux esprits. Donc l'humain, quand il commence à comprendre que son corps, c'est l'interface avec le milieu environnant, et qu'en travaillant, en comprenant ce qui se passe dans notre corps, on peut régler les problèmes alentours,
au niveau de la nature, au niveau des synchronicités, au niveau de nos créations, nos manifestations, ben là, ça y est, on a compris. Et puis, on peut faire un immense bond en avant dans l'évolution. Hein. Mmh. On ne subit plus ce qui nous arrive. Ah ben oui. On le transcende par la compréhension. Et bien sûr. Par ton dos, ben, tu vois, par ton approche à toi, de ton dos, tu tout de suite, tu as pensé que tu étais en lien avec les mémoires du lieu. Ah ben, c'était une évidence, quoi. Le son du coup de fouet. Ben oui. Au matin, au réveil, dans cette chambre. Mais oui. Je ne pouvais pas ne pas le remarquer. C'était tellement fort. Mais oui. À gauche, pour moi, la gauche, dans mes rêves, où ça symbolise le passé, tu vois, quelque chose qui s'est passé. Et à gauche, avoir ce bruit si fort de fouet qui claque, tu vois, pouf, immédiatement, j'ai même pas pensé, immédiatement, le son, c'est connecté avec la douleur, tu vois. Mais oui. Mais et sans ça, que nous sommes utiles. C'est-à-dire que ce qui se passe en nous, on le relie à l'environnement. Et c'est comme ça que chacun qui regarde cette vidéo peut se dire, ben voilà, ce qui se passe en moi, là, dans mon corps, au lieu que ça me fasse paniquer, je me dis, ça y est, je suis à l'agonie, je vais mourir, au secours, toi comme moi avec mes dédimères et mon épée de Damoclès, là. Bien sûr. Ben non, il faut le relier à ce qui est autour de nous. Qu'est-ce qui se coagule en nous? Qu'est-ce qui se défait en nous? Qu'est-ce que nous, on peut faire avec l'énergie autour de nous pour que l'avenir soit meilleur? Et ça passe par notre corps. C'était intéressant parce que quand je me suis fait ce tour de rein, si on peut dire, quand j'ai soulevé ce truc qui pèse quand même 120 livres, ça fait 50-60 kilos, tu vois. Oui, quand même. Et c'est grand, c'est pas, ça fait 1,20 m de haut, tu vois. J'ai voulu le soulever pour le passer à la porte, là, la baie vitrée, quoi. Je me suis tournée, ça a fait un crack. J'ai senti différents nouveaux de conscience qui sont venus. Le premier niveau, je dirais basique, de tout être humain, merde, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie. Oui. Tout de suite, le deuxième niveau est venu et dit. Mais qu'est-ce que tu es en train de relâcher? Ben oui. Tu vois, qu'est-ce qui... Et après, dans la journée, ce qui était formidable, c'est que dans la journée, je n'avais pas de douleur du tout. C'était que le matin, quand je devais me tourner dans le lit, je ne pouvais pas. Je devais m'agripper au matelas pour pouvoir tourner, me lever. Et après, plus rien dans la journée, pas de douleur. Donc, pour moi, je me suis dit, bon, OK, c'est quelque chose qui travaille dans l'inconscient, la nuit, c'est au niveau de l'inconscient, qu'est-ce que je suis en train de transformer de... Et puis, peut-être, après avoir eu cette réflexion, mis toutes ces choses en lien, le matin, je me réveille, je suis dans mon truc, là, où je fais mon truc le matin, et le coup de fouet. Et là, ça a été associé immédiatement à la douleur, comme si quelqu'un avait été... fouetter dans tout le dos, parce que la douleur, quand elle était diffuse, c'était pas un point, tu vois, c'est tout le dos. Et là, je me suis dit, ah ben oui, mais ça fait sens. Je suis en train probablement de libérer quelque chose de quelqu'un qui a dû être fouetté. Et pour moi, c'était un esclave, tu vois, un esclave noir dans mon truc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que la douleur est partie. Mais alors, complètement, en l'espace d'une semaine, il n'y avait plus rien. Et puis, je suis allée à Malibu voir mon ami, passer quelques jours. Je dis, tiens, je vais me faire une séance chez le chiropracteur qui me suivait. Tu vois, de temps en temps, j'aime bien sa façon de travailler. Je dis, tiens, mais il y avait un truc qui me dérangeait quand même, mais bon, un petit détail. Et puis, je suis allée faire la séance. Et puis, il me dit, ah, ben, y a le bassin qui est… Ben oui, il était un peu pivoté parce que avec le truc que j'avais fait, bon, OK. Ben, Donc, on travaille là-dessus, tout va bien. Puis, il me dit, oh, il y a un truc. Je lui dis, puis, ah, oui, mais t'es arrivé ça. Alors, il regarde, il me dit, ouais, il y a un truc dans le dos. Et là, il me fait une manipulation et tu vois pas que la douleur, elle est revenue. Alors, je me suis dit, au lieu de dire l'incriminer, je me suis dit, il a fait une connerie. Je me suis dit, bon, c'est que c'est pas totalement dégagé. Et là, elle n'est pas aussi forte. Hein. Non, ça va, je peux bouger, je peux me relever le matin. C'est pas pareil. C'est juste quand je fais mes exercices. D'habitude, je suis sur le dos et je peux me lever sans avoir absolument de problème pour toucher mes pieds.
tu vois, souplement. Là, je ne peux absolument pas me relever de la station couchée à me remettre assise. C'est pas possible, tu vois. Ah, oui. Donc, c'est vraiment, et c'est sur le côté gauche. Ah, oui. Et je me suis dit, bon, c'est que sa manipulation, en fait, aide à dégager un peu plus. Tu vois, je l'ai vu positivement, tu ouais. vois. Donc, voilà. Donc, maintenant, je suis dans... Et ça crépite, hein, quand je mets mon attention. Et c'est bon, tu vois. Je sens que ça... Ah, ouais. C'est comme si ça énergétisait ces lieux. Mais avec l'information que tu m'as donnée, ouais. c'est comme si ça tissait, en fait, tu vois. Mais là, du coup, je vais pouvoir visualiser que ça tisse à un autre niveau, au niveau de la oui. Terre, tu ouais. vois. Ce que tu peux voir, c'est que ça... Voilà, ça tisse au niveau de la Terre, mais ce que ça montre aussi, c'est qu'au lieu que ce soit bien comme ça, ben c'est un peu comme ça. Tu vois, comme des failles, comme des bords qui s'écartent. Ah ben, attends, c'est exactement ça. Ce matin, j'étais sur le dos, bien à plat. Mmh. Mmh. Et c'est intéressant parce que quand je le fais ici, il y a mes tapis, c'est pas très plat. Mais là, je suis dehors, c'est hyper plat, mmh. c'est du ciment mmh. en dessous, tu vois. Mmh. Et j'ai senti... que mon côté gauche, il était ouais. comme s'il était ouais. plus, un peu gonflé, si on peut dire. Et du ouais. coup, je ne pouvais pas mettre mon dos complètement à plat. Ouais. Il y avait un décalage comme ça. Voilà. Ce qui me vient, c'est ça, c'est que tu as un décalage, mais c'est comme la faille de son adresse. Donc, ce que tu peux faire, hein, c'est visualiser que ça translate tout gentiment, tout doucement pour revenir à la même hauteur, tu vois. Et juste, tu vas demander l'action de la grâce, ça travaille déjà sur mes mains, tu vas demander juste l'action de la grâce et les moyens parfaits, voilà, en imaginant comme ça que cette action de la grâce est comme un petit oreiller ouatiné autour de toi, puis tout le monde peut le faire en même temps en direct, hein, ceux qui ont mal quelque part, ils pensent à leur douleur. Voilà, ils disent que même si je ne sais pas à quoi ça se relie, voilà, au plus grand que moi, le microcosme dans le macrocosme, hein, même si je ne sais pas à quoi ma douleur se relie, voilà, dans un environnement plus grand, plus large que moi-même, eh bien, je commande, voilà, que l'action de la grâce et le moyen parfait transmute, voilà, par mon point de douleur, tout ce qui doit être transmuté et que cela soit harmonisé, rééquilibré, ah, et j'entends remis dans la juste tension, voilà, retrouve souplesse au niveau de mes articulations, voilà, et on pense articulation, Sion étant le royaume divin, voilà. Pour que le meilleur soit. Voilà. Et on sent ça. Ça fait comme un mouvement qui rentre comme ça. Ça fait une chaleur. Voilà. Ben moi, ça crépite tout mon côté gauche. Voilà. Il y a ma colonne et juste ouais. le côté gauche. Ça crépite tout voilà. le côté gauche. Et puis, on peut demander une cicatrisation. Toi, tu peux demander une cicatrisation. Voilà. Alors, il faut faire appel aussi à l'eau. Tu vois, ça t'arrive aussi quand tu as allongé le lit. Le lit de la rivière. Donc, il est possible que sous chez toi, il y ait un lit de rivière qui demande à retrouver son chemin vers la sortie. Ou peut-être qu'elle est barrée, il y a un blocage. Voilà. Donc, on va juste imaginer là un lit de rivière qui serait embêté par des gros rochers. Voilà, donc transmutation, transformation. Voilà, par l'action de la grâce et moyen parfait de tout ce qui bloque le lit de la rivière. Voilà. Et que cela soit en moi comme à l'extérieur de moi-même. Voilà. Et que les failles, voilà, soit guéris, les blessures soient guéries, cicatrisées. Voilà, merci, merci, merci. Voilà. Et à la fin, hein, les deux mains se rejoignent. Voilà. Après,
Après, toi, il y a peut-être des causes aussi familiales, donc ben, on pourra les voir en séance. Hein. Mais ce qui vient là, c'est vraiment ça. C'est en lien avec la faille, le lit de la rivière. C'est tout, c'est des infos qui me sont, des idées que j'ai eues, donc des infos qui me sont venues, tu vois. Voilà. C'est juste. Ouais. Ouais, c'est juste. Donc les... Pour ça, j'aimerais vraiment, il me tarde que tu viennes, qu'on passe du temps ici. Il y a tellement dans cet endroit, c'est. Ah oui. Quand il y a t'as des gardiens aussi, il y a des gardiens partout. Quand tu filmes là, tu sais, au Pérou, on parle des apus. Ah ouais. Oui, les apus, c'est les dieux qui sont dans les montagnes, dans les rivières, dans les faucons aussi, dans les oiseaux. Ben toi, t'as Parle-moi des apus. Des oiseaux. Mais oui. Avec tes copains lapins et oiseaux, tu as des apus qui veillent sur toi. Et oui, c'est un lieu incroyable où tu es. Hein. Ouais, ouais. Et puis, tu sais, le lieu, tu vois, j'en ai la chair de poule qui. Parce que j'ai fait bon tout ici, mais j'ai fait l'extérieur, j'ai enlevé tous les morceaux de ciment que j'ai pu trouver partout, qui traînaient dans toute la nature là, ça me dérangeait, tu vois, j'en ai enlevé des kilos et des kilos et des kilos, des sacs entiers de petits bouts de ciment qui avaient été de la construction, qui ont traîné autour de la maison, qui ont été ravinés par les pluies, qui ont été emmenés, tu vois, mais j'en ai enlevé, mais ça, je sentais que fallait que je le fasse, tu vois, oui. Et ah, ça fait du bien, quoi. Mais tu sais, c'est ça, être un gardien de la terre. Hein. Toi, tu es une gardienne de la terre. Être un gardien de la terre, c'est revenir, rendre, on va dire, ses lettres de noblesse hein, à la terre. Elle est notre mère nourricière. Tous ceux qui ne rêvent que de repartir ailleurs, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que leur incarnation, elle est d'être là. Ouais. Alors, je comprends hein, ceux qui voudraient repartir ailleurs. C'est parce qu'en fait, ils se sentent tellement dissemblables de ce qui se passe. Mais il faut qu'ils sachent que c'est parce qu'ils viennent d'un monde meilleur. Ils viennent d'un monde peut-être futur ou d'un monde meilleur, d'un monde où règne plus d'équité, plus d'amour, plus de grâce. Et ils sont venus sur Terre maintenant pour amener cette vibration d'amour, de grâce, d'équité. Donc, bien sûr, ils se sentent très, très mal d'être là maintenant. Mais vraiment, c'est pour ça qu'ils sont venus. C'est pour ramener sur Terre le souvenir d'un monde meilleur. Oui, j'ai le cas d'une jeune femme, là, une jeune fille, je ne sais pas l'âge qu'elle a, qui est... qui me demande ce que je pense du suicide, carrément, tu vois. Qui dit que ça fait pas de sens. Que la vie, en fait, la vie humaine, elle est trop longue avec tout ce qui se passe et que ça ne fait pas sens. Oui. Bah, je dis, écoute, elle me dit, ah oui, elle me dit, ah, mais toi, de toute façon, alors on a échangé par rapport à ça. Je lui dis, tu sais, ça c'est personnel et je ne peux pas te dire ce que je pense par rapport à ça. Pour moi, il n'y a pas de connotation de jugement d'ordre religieux, de dire c'est pas bien, je veux dire, c'est pas ça, quoi. Mais je lui dis, c'est. Alors elle me dit, oui, mais toi, ta vie, elle a été joyeuse. Oui. C'est ça. Et j'ai dit ça. Oui, si c'est ce que tu crois, non, pas vraiment. J'ai aussi fait des preuves. Ouais. Et donc elle me dit ah ben oui. Elle me dit ce que j'aime chez toi, c'est que tu vois le beau partout dans toutes les photos. Tu prends, ça me fait du bien. Et puis en fait on a discuté quand même pas mal et je sens qu'il y a une bascule, est-ce que tu dis là, c'est vraiment précieux, tu vois, je vais pouvoir lui en faire part. Parce que c'est vraiment, c'est ça, je sens qu'il y a un mal-être, comme si ça n'a pas de sens d'être ici, tu vois. Oui, et pour beaucoup de gens, ça n'a pas de sens. Mais parce que le sens, pour eux, il viendrait d'une réponse immédiate. Alors que pas du tout. Ils sont venus au monde porteurs d'une vibration d'amour, d'équité, de respect, de beauté. Et ça ne fait pas reflet ou écho en eux pour l'instant dans le monde actuel. Bien sûr. Parce qu'ils viennent en planter les graines. Ils sont les graines du beau, du merveilleux. Et ils ne sont pas arrivés dans un jardin potager où tout est déjà prêt. Ils viennent planter les graines. Bien sûr. Et ça a du sens. Au contraire, ça a beaucoup de sens. Et voilà, nous aussi, on vient d'un monde merveilleux. C'est pour ça qu'on est né avec des yeux émerveillés. Oui. Et
et que ben, on a été confronté à des choses pas merveilleuses du tout. Et tu vois, quand moi c'est pareil, il y a plein de gens qui me disent oh là là, j'aimerais tellement avoir vos capacités, vos talents. Ben dis donc, tu es oui, passé par des choses tellement dures mais dans oui. ton corps. Ah. Mais oui, mais parce que les gens ne se rendent pas compte. Tu vois, ils voient le résultat, mais ils voient pas du tout les expériences qu'il y a derrière. Quand ils voient ton résultat, ils voient comme tu es généreuse, comme tu es enthousiaste, comme tu es belle, comme tu montres de belles choses, mais ils voient pas le chemin d'expérience qu'il y a derrière. Mais c'est comme tous les... Tu sais que les néo-druides, les néo-chamans, s'ils allaient véritablement 15 ans croûter des chenilles en forêt amazonienne, voilà, hein, là on pourrait dire oui, ce sont des chamans de la forêt amazonienne. Voilà. Mais, tu vois, les gens ils veulent tout de suite, là maintenant. J'en ai plein qui me disent oh, c'est fini de souffrir pour la. Mais non, c'est, je veux bien qu'un jour ça soit fini, mais c'est pas encore tout de suite. Tu vois ouais. Et c'est pas comme ça. Et en fait. Pas encore. C'est pas encore comme ça. Là en étant comme ça, on conditionne encore plus de souffrance. Mais oui. Tu mais vois, oui. C'est. On se programme encore plus de souffrance en étant dans cet état-là. Mais oui. Donc c'est pas encore comme ça. Pour l'instant, on doit encore un petit peu souffrir. Et je sais bien qu'on a tous envie que ça s'arrête, hein, la souffrance. Mais en réalité, les graines du meilleur que nous sommes, qui sont complètement décalées par rapport à ce monde qui, pour nous, n'a pas de sens, c'est parce que nous sommes ces graines-là et nous venons mettre du sens et nous venons mettre notre sens. Et pour l'instant, il y a encore un peu de souffrance parce que l'ancien monde ne veut pas lâcher. Ouais, et tu vois, c'est aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le lieu et tout. Jean-Paul, mon ami astrologue qui est décédé il y a quelques années, il me disait toujours l'endroit où tu nais et les endroits où tu vas aller, en fait, c'est les lieux qui ont besoin de toi. C'est ça. Exactement. Quand tu prends conscience de ça, j'avais trouvé, ça avait été une révélation pour moi il y a environ 35 ans. J'ai dit, waouh, mais ça fait sens. Mais oui. Alors, quand les gens me disent, mais pourquoi tu es allée aux États-Unis ? Je ne me suis pas posé la question. J'ai suivi ce qui se présentait dans ma vie, même si ça n'a pas été facile, mais. C'est ça. C'est finalement, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Tu vois, c'est parce ça. Parce qu'on doit être à un moment donné, à un endroit spécifique. Parce que nous sommes comme des sortes d'aiguilles d'acupuncture. On va envoyer une information, on va recevoir une information de la Terre, du cosmos, et on va la vibrer à l'horizontale à travers tous ceux et celles qui sont calibrés comme nous, qui reçoivent les mêmes informations. C'est la syntonisation. Ouais. Et on fait notre boulot. On fait notre boulot. Alors, des fois, les gens, ils voient le résultat, ils se disent « Oh, formidable, génial, tout est tellement facile pour vous. » ils n'ont pas porté nos sacs à dos, hein. Ouais, mais c'est super. Ça veut dire, tu sais quoi, ça veut dire qu'en fait, on reste des enfants en nous et qu'il y a cette fraîcheur et naïveté. Et c'est ce que le divin nous demande, hein, quand il dit laissez venir à moi les petits enfants. C'est pas Epstein, hein, qui dit ça. C'est, laissez venir à moi les petits enfants. Dire Soyez enfant. Et vos souffrances, vous les oubliez, tu vois. Parce que, en fait, on se souvient qu'on a souffert. Mais en réalité, la douleur du moment, on l'a oubliée. Juste gardé l'expérience. Bien sûr. Même au-delà de ça, c'est qu'en fait, on voit le merveilleux du processus. Mais oui. Et ça ne veut pas dire que je suis maso et que je vais demander de souffrir pour avoir le merveilleux du processus. J'ai remarqué d'ailleurs que depuis plus d'une dizaine d'années, je ne suis plus dans autant de... C'est beaucoup plus fluide. Hein. Voilà. C'est plus fluide, c'est plus souple, c'est moins fort, quoi. C'est moins violent, tu vois. Ben oui. Parce que ça a été violent. Il y a des fois, ça a été violent, quoi, dans le corps. Ben oui, c'est parce qu'on était très têtu. Ah ben moi je me disais carrément athée, tu sais.
Oui, moi aussi, oui, moi aussi. Voilà, moi j'étais athée, moi je sortais. Bon, ce qui était génial, c'est que j'avais des parents qui m'ont jamais obligée d'aller à l'église, hein, on était d'origine catholique, si tu veux, tu vois, de confession catholique dans la Oui, famille. comme en En Corse, Corse, quoi. tu imagines. Mais en Corse, c'est mixé avec le chamanisme, en fait, hein, parce que c'est vraiment, tu sais, l'huile, le coin du feu, où on met des trucs dans le feu, le machin. Enfin, c'est, tu vois, c'est un peu spécial Oui, quand même, parce qu'il y encore a du aussi une connexion païen. à la nature assez forte. Oui. Mais venant de l'autre côté, du côté de ma mère, de témoin de Jéhovah, alors moi, je vais te dire, j'y ai eu droit. Ah oui, j'ai lu la Bible quand j'étais petite, j'étais obligée. Hein. J'étais obligée de lire et d'écouter, de faire partie toutes les semaines de la réunion. Comme ma grand-mère était veuve, ça se passait chez elle. On devait tout astiquer, les meubles, tout nettoyer pour que tout soit bien, pour quand ils venaient. Donc, il y avait toute la délégation. Et puis moi, j'étais au bout de la table et je devais être là. J'avais quoi? 7, 6, 7, 7, 8, 9 ans, 7, 8 ans, tu vois. Et je les écoutais. J'étais fascinée par certains. Bon, le truc qui m'est resté, et je pense que c'est ce qui m'a donné cette force intérieure, c'est Daniel dans la fosse aux lions. Parce que c'était l'Ancien Testament qu'on lisait, tu vois. La Genèse, ça m'a fascinée. Ah oui. Et Daniel dans la fosse aux lions. Alors là, ces deux-là. C'était, je les vivais en plein, ces histoires-là. Et je pense que cette force intérieure, elle me vient de cet archétype, tu vois, de ce symbolisme-là. Oui. Et moi, je leur disais, je les écoutais, je me disais, mais il y a un truc qui ne va pas. Je leur disais, mais Dieu, il est en moi. Et ils me disaient, mais tu blasphèmes, tu blasphèmes. Mais c'est ça, mais c'est ça. Et Quand quand on on ose. meurt, on sait tout. Mais Alors, oui. alors après, en réaction à ça, je me suis décidée. Quand j'étais ado, j'ai dit, je suis athée. Mais oui, moi aussi. J'étais athée. Voilà. Et ma grand-mère me parlait toujours du petit bon Dieu. Elle me disait, parce qu'elle était italienne, et elle me disait le petit bon Dieu, la Sainte Mère. Et pour moi, c'était. Je ne comprenais pas du tout, moi. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai fait mes morts imminentes, tu sais, mes Ouais. EMU. Hein. Et là, mais j'étais tellement cartésienne, je me suis dit, waouh, le cerveau fabuleux, tout ce qu'il fabrique comme hallucination. Et. C'est pour ça que je dis, on était très têtus, très têtus. Et c'est après que tu comprends, non, non, Dieu est vraiment en toi, la lumière est en toi, je suis fragment de parcelle du divin, je suis cette partie du divin, je suis venue pour rayonner ça, la terre est notre paradis, et tous ceux qui trouvent que ça n'a pas de sens, bah, c'est parce que ce sont des graines du divin, d'un monde meilleur, et ils viennent pour le planter, pour le réaliser. Et, mais c'est heureusement pas à la force de nos petits bras musclés, parce que sinon ça va être long, long, pénible, long et dur. Voilà. Non, non, c'est par nos capacités d'expansion de conscience et toutes ces vibrations que l'on ressent dans le cœur en ce moment, le thymus serré, toutes ces choses, c'est parce qu'en fait nos cellules s'ouvrent de plus en plus, elles sont en expansion. Et tes travaux de respiration, c'est parfait parce qu'il faut respirer pour mettre de la place en soi, Ouais, c'est pour ça. comme ça incarner de mieux en mieux cette énergie d'amour que nous sommes, cette présence du divin que nous sommes. Et ça, c'est, j'allais dire, c'est primordial. C'est la seule chose sur laquelle il faille se concentrer, c'est ça. C'est s'expanser, respirer. Et ouais, je le dis, ça frissonne, et incarner de plus en plus ma gracieuse présence. Voilà. Chacun le fait, ça. Je vais éternuer parce que tu vois, ça c'est en train de travailler et ça chasse mes petites poussières. C'est un des messages que j'ai reçus, et il fallait qu'on se dépoussière, tu vois. Parce que il y a en nous comme des sortes de poussières maléfiques, tu vois, et il faut. Vraiment incarner notre présence, ma présence, ta présence, voilà, pour dépoussiérer à l'intérieur ce En qui est fait, tout externe. tu sais, j'ai aussi toujours eu cette parole que voyait un naturopathe à Paris, Dominique Pianel, pendant des années. Et en fait, tu sais, j'ai fait avec lui de l'hydrothérapie du côlon. Oui. Et moi, si tu veux, il Oh, y a 30 j'en ai ans tout de moi. ça. Et en fait, il faisait ça très sérieusement, avec.
un taux de sel, il me testait pour voir quel était le taux de sel pour moi, tu vois. Il travaillait en énergétique, en bioénergie aussi. Et en fait, il me disait, mais on ne fait pas ça pour nettoyer. Non. Et c'est lui qui m'a dit, il n'y a rien à nettoyer, il y a juste à transformer. On fait ça pour drainer. Ben oui. Pour, voilà. Et en fait, la façon de penser d'une chose, ça donne un résultat complètement différent. La transmutation. L'intention, tu vois, l'intention que l'on a dans un acte, c'est en fait, c'est ça. Moi, pour moi, c'est comme des scories, des choses qui se sont de toute le conditionnement depuis des millénaires par les êtres humains, de toutes ces petites cases, de tous ces petits trucs qui sont toujours en mémoire trace Oui. en nous, et on amène de la lumière pour démystifier tout ça, parce qu'on est en train de changer de. Bah, en fait, par le même processus, on augmente, c'est comme si on libère au niveau de toutes ces petites scories une énergie qui est endormie. Et du coup, c'est ça qui participe même au processus d'ascension, d'agrandissement, d'expansion de la conscience, en fait. En fait, tu sais, on parle des mémoires. Là, on va dire un truc génial. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est génial. Parce que pendant que tu parles, j'ai une image qui me descend. Et tout d'un coup, tu sais, la mémoire akashique. La mémoire Oui. akashique, hein, c'est la mémoire de tout ce qui a été sera. Et dans rien ne se perd, hein, tout se recycle. Et donc, ces particules de lumière, d'élémentaire, d'éléments au feu, tout ça, tout ce qui compose notre corps, c'est pas quelque chose qui est créé comme ça, c'est recyclé. C'est-à-dire que notre corps, toute l'énergie qui a servi à composer notre corps et tout ce que nous voyons, c'est de l'énergie qui a déjà été utilisée et qui est recyclée. Et en fait, quand on dit qu'on travaille sur nos mémoires anciennes, bah oui. On est en train de purifier toutes les mémoires anciennes, tout ce qui a déjà été utilisé et qui a vécu et qui a fait son temps. Et on est en train, par notre conscience, on va dire la sublimation, de transformer ces vieilles mémoires qui ont connu les meurtres, la faim, enfin, les pires choses. Et là, quand on le dit, tu vois, ça travaille, ça vibre partout, là. Le corps, il entend ça, il est tout content. Il dit, ben oui. La matière dont nous sommes composés, elle a déjà été utilisée. Et c'est pour ça qu'on a accès à de la mémoire de plein de choses. Tout ça, on parle de nos vies antérieures tout à l'heure. Tu disais, je ne suis pas trop dans la réincarnation. Alors, en même temps, oui, je comprends. Parce que on n'a pas des vies antérieures comme on l'imagine, en fait. Bien Hein. sûr. Nos vies antérieures, c'est la composition de milliers de vies que nous recyclons en nous, dans notre corporalité actuelle, et auxquelles on a accès. Parce que cela nous compose. Et là, ce que tu venais de dire, c'est ça, c'est qu'on est en train de purifier toutes ces mémoires terribles pour en faire quelque chose de merveilleux. C'est comme si, et je comprends maintenant, là, au même temps, comment, pourquoi on est en train de du carbone, hein, de passer dans l'état du diamant. C'est-à-dire qu'on est en train vraiment de se transformer en comprenant qu'on transmute chacune de nos cellules. Toutes les mémoires de nos cellules qui sont celles de milliards de gens, en fait, de tous ceux qui nous ont précédés. Donc, c'est comme si on se raffinait, tu vois. C'est ça, c'est un raffinement, tu On vois, se c'est ça. raffine. C'est pas un dégagement, c'est Non, raffiné, on parce se qu'il n'y a raffine. rien, comme disait Dominique, il n'y a rien à jeter. Il n'est Ouais. pas question de détoxifier, machin, de faire. Non, Non. c'est beaucoup plus profond que ça. On se C'est. purifie. Et en Ouais. fait, se purifier dans le sens se raffiner. Raffiné, ouais. Et tu vois, les huiles essentielles, c'est pareil. Il y a un processus de chauffage. Ça passe dans des alambics. Et on récupère la vapeur, blablabla. Et en fait, on raffine un produit pour en obtenir l'essence. L'essence, ouais. Et Tout ben voilà. Nous, on est en train de devenir notre pure essence par un à fait. processus de raffinage. Et ouais, c'est génial. Et ça se fait par l'essence. L'essence.
Ah, bravo. Parce que c'est les sens qui nous font, ouais. qui nous permettent de ressentir ouais. et de ressentir ce qui est invisible, en fait, hein, et de nous relier au monde de l'invisible. Tu vois, c'est ouais. ça. C'est ouais. pour ça que moi, je suis dans le plaisir des sens. Ben oui. Et quand j'ai mal quelque part, je me reconnecte quand j'ai pas mal, je me souviens de comment c'est quand j'ai pas mal et je reprojette ça dans un futur proche, tu vois, d'être de nouveau dans cet état-là, oui. tu vois. Mais tu vois, le plaisir des sens, on parle pas des orgies, ce genre de choses, mais le plaisir des sens, c'est ce dont toutes les religions nous coupent. Tout à fait. Voilà, tous ces processus d'ascétisme et de restriction, ça a fait son temps. C'est plus d'actualité. Bien sûr. C'est plus du tout d'actualité. C'était utile dans des temps où peut-être qu'il y avait des fêtes orgiaques. Voilà, peut-être. Mais en tout cas, maintenant, non. Le plaisir des sens, c'est ça. Ouais, c'est ouais. plus quelque chose qui est de l'ordre de je dirais, de l'épicurisme, tu vois, d'amener la beauté dans le plaisir, dans... C'est un côté voluptueux, c'est un côté hypersensuel pour moi. C'est raffiné. Voilà, c'est ça. Raffiné dans le... Ouais, c'est ça, exactement. On se raffine, oui, ouais. on se raffine. Ouais. Oh, je vais te faire un jeu de mots. Vas-y. On va devenir des séraphins. Oh Oui, bon. Nous sommes des séraphins. Des séraphines. Mais oui. Des séraphines. Ah, Nathalie, quel plaisir, mon Dieu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été comme ça. Écoute, je suis ravie. Bah, écoute, là, il nous reste 20 minutes. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que tu proposes, tu vois, on arrête la séance et puis on a fait partie 1, partie 2, et puis voilà, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que c'est sur ma page Instagram. Ça, j'ai récupéré ma page Facebook. J'avais été piratée pendant une semaine et avec mon amie web designer, elle a intervenu. Ouais. On a vraiment beaucoup de mes followers sont intervenus aussi. On a récupéré la page, donc ça y est. D'ailleurs, c'était quelque chose que je voulais la transformer depuis quelques temps. Donc, il va y avoir des transformations sur cette page publique, je dirais. Et pas la compte. La compte, c'est pas ça qui avait été piraté, c'est la page. Ils avaient pris contrôle de la page. Donc, voilà. Pour mettre des horreurs, des machines pour déplumer les poulets, une horreur. Ah, c'était horrible, c'était horrible. Oh. Moi, c'était ça. Les gens qui m'envoyaient des messages en privé, ceux qui me disaient « Oui, c'est dégueulasse », qui ont fait des commentaires « Pourquoi tu postes ça ?» Et moi, ils n'ont pas compris que j'étais piratée. Non, mais c'est tellement toi de poster ce genre ah, de choses. Ah ouais, tout à fait, vraiment. Il y en a compris tout de suite. On dit mais non, elle a été piratée, c'est pas possible, tu vois. Mais il y en a d'autres qui comprenaient pas, il y en a qui comprennent pas. Ben qui disaient oui, c'est inacceptable. Ben oui, ben ouvre un peu ton esprit parce que là, il y a un truc qui est pas en... D'ailleurs, je pense qu'ils ont investigué assez rapidement. Ça a été dur, hein. C'est très dur pour les joindre, on les a pas joints. Mon amie web designer, là, elle a trouvé ce que j'avais commencé à regarder sur YouTube. Comment être en chat live avec des gens de Facebook. Et j'avais commencé à regarder, puis après j'ai dû faire autre chose, et elle a trouvé, et elle a été en chat directement avec eux. Mais on avait déjà fait plein d'interventions, ouais. et en fait, on avait remarqué qu'au bout du deuxième jour de nos interventions, il n'y avait plus de nouveaux posts. Donc elle me dit, je pense qu'ils sont en train d'investiguer. Ah, ok. Et c'est pas facile, c'est pas difficile à voir qu'avec ce qu'il y avait, ce qui est posté sur ma page et de voir ça, que c'est pas la même personne, quoi. Tu vois que c'est. Voilà. Ouais. Donc ça a été récupéré. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, là, c'est sur ma page Instagram, mais ça va être aussi sur YouTube, comme d'habitude. Et j'ai appris par certains de mes followers, parce que moi, je sais pas faire la traduction sur YouTube. Il faut que je tape pendant des heures tout ce que je dis. Non, j'ai pas le temps de faire ça, quoi. Ben et en fait, apparemment, quand on regarde une vidéo, en tant que visionner une vidéo sur YouTube, il y a un endroit où on peut aller, nous, qui visionnons, mettre une traduction. D'accord. Donc, apparemment, dans la langue que l'on veut. Bon, ça ne doit pas être. Je ne sais pas où il faut aller pour faire ça, mais ça vient de ceux qui regardent. Il faut qu'ils aillent trouver dans YouTube l'endroit où ils peuvent mettre la traduction dans la langue
qui correspond à leur langue. Il y en a qui savent faire ça, il y en a qui m'ont dit oui, mais il faut faire ça et tout ça. Donc voilà. Okay. Bon. Donc là maintenant, quand on fait un truc, enfin pardon, pas un truc, un reel Instagram, ouais. C'est aussi sur, tu le mets aussi sur YouTube. Ah, je mets sur YouTube. Toutes mes vidéos sont sur YouTube. Ouais. Parce que là-bas, j'ai quand même 130 000 abonnés. 135, je sais pas. Et en fait, ça peut diffuser de l'information, tu vois. Mais oui, je ne savais pas que Instagram et YouTube... Non, c'est moi qui l'ai... Je dois sauver la vidéo, ce qui n'est pas toujours évident, parce que des fois, ça rame, ça prend du temps pour la sauver. Je dois sauver la vidéo et après, je dois la poster sur YouTube. Donc, Facebook, ça peut être direct. Maintenant que j'ai de nouveau ma page, tout ce que je mets sur mon... Peut-être pas ces jours-ci, parce que mardi, on va travailler avec ma web designer sur ma page Facebook. Donc, ça se fera plus tard. Mais après, ça va directement sur Facebook, d'Instagram sur Facebook. Mais sur YouTube, c'est moi qui dois faire le transfert, tu vois. Donc, voilà. Donc, comme ça, est-ce que là, il nous reste un petit moment. Est-ce que les gens ont envie, les personnes qui nous regardent, est-ce que vous avez envie qu'on fasse juste une petite méditation, pas très longue, quelque chose qui va juste nous ancrer. Et moi, j'aime bien la méditation en ce moment de l'arbre. Ouais. Comme on est en automne. On peut faire ça. Ceux qui n'ont pas envie, ben, ils quittent. Hein. C'est pas grave. Oui, t'as envie. Ok. Ouais. Donc on va juste se mettre en position. Voilà. On peut fermer les yeux. On peut voir un petit peu juste avant. Voilà. La méditation, j'appelle ça la méditation de l'arbre d'automne. Voilà, donc simplement on ferme les yeux. Voilà. On imagine le vent, un petit souffle de vent, voilà, qui serait là autour de nous. Voilà, on est ancré à la terre par nos pieds, voilà, qui sont comme de belles racines. On va simplement penser au cœur de la terre, une belle chaleur qui monte du cœur de la terre. Voilà, une belle chaleur. Voilà, qui monte et qui vient comme ça dans nos genoux. Le jeu parmi nous. Et qui monte dans le bassin, le bas qui est sain. Et qui monte dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Voilà, dans les épaules. Qui sont harmonieusement répartis de chaque côté de la colonne vertébrale, avec nos bras qui sont comme des branches, voilà, et la tête qui est comme le sommet de l'arbre. Et on va laisser monter comme ça vers le soleil ou vers la nuit étoilée, voilà, toutes nos émanations, voilà, pour sentir nos ramifications. Voilà, nos interactions les uns avec les autres. Et on va sentir que toutes nos branches sont chargées de vieilles feuilles. Des feuilles qui sont maintenant prêtes à rejoindre la terre. Voilà, ces feuilles qui sont porteuses de vieux contrats, comme des lettres mortes. De vieux pactes, de vieilles données qui ne nous sont plus essentielles. Elles ont bien été utiles, elles nous ont servi à reconnaître, à aimer, à servir des causes, voilà, à produire des fruits. Mais maintenant, il est temps, voilà, de les laisser tomber et de laisser le vent tout doucement, voilà, pour laisser apparaître notre belle structure, voilà, la structure d'un humain
d'un humain qui est comme un arbre de sagesse, de connaissance. Une belle structure qui peut être blanc, bleuté, argenté. Avec des paillettes dorées aussi. Voilà. Et on va laisser toutes ces feuilles comme ça retomber au sol pour préparer la terre, pour la réchauffer, pour y faire de l'humus. Tous nos vieux pactes, tous nos vieux contrats, on leur dit merci. Merci. Et merci. Et merci. Cela me quitte. Maintenant, pour toujours, et je peux maintenant me reposer dans le calme, la quiétude de qui je suis en vérité. Je laisse apparaître ma structure. Et je sais que là, dans la terre, se préparent les pousses pour le printemps. Tout ce que j'ai lâché va maturer et va laisser monter en moi de nouvelles idées, de nouvelles créations. J'ai fait place en moi-même à ce qui est potentiel, créatif, meilleur, voilà, pour nourrir mes branches et permettre à de nouvelles feuilles de venir au printemps, apporter voilà, une nouvelle croissance d'être. De nouveaux fruits. Voilà. Et là, on le sent, on a envie de le dire, on se dit, bah oui, je suis prêt, je suis prête. Voilà. Merci. Voilà. Et on sent que il y a plein de choses qui se passent en nous. J'ai reconnecté ça avec, avec, notre, avec la date, on ne l'a pas fait exprès, hein. On est sur la période de la Toussaint, et en, fait, en fait c'est ça, ce jour-là, c'est de laisser toutes les choses de l'année, tu vois, qui ont été, comme tu dis, les contrats, les, tous ces trucs-là, qui ont, et les... le symbole c'est son nom des sagesses esséniennes tu sais et il disait que la citrouille en fait il faut y mettre justement tout, nos, tout ce qu'on a dans l'année toutes les choses qui étaient là on s'en sert comme un objet transactionnel on met tout là et on la met quelque part qu'elle pourrisse pour pouvoir après renouveler et voilà. Mais on l'oublie. Mais consciemment, on met tout ce qu'on a vécu dans l'année, dans cette citrouille, et on, pour régénérer, en fait. Et c'est le travail de, qui se passe à la Toussaint, en fait, avec ces histoires d'Halloween et tout ce bazar, quoi, qui a été complètement détourné. Bah, peut-être que les personnes qui nous regardent, là, enfin, pas personne, je n'aime pas ce mot personne parce que personne, c'est nobody, c'est rien. Bah oui, c'est difficile à dire. Comment on va dire tous les individus. Individus, oui. Individus, c'est les unités, tu vois, ou les chacun, les chacunes. Bah, peut-être qu'on peut faire ça tous ensemble, hein. Prendre une citrouille et mettre dedans bah, ce que tu as dit, hein, toutes nos vieilles pensées, tout ce qui n'a plus lieu d'être, puis aller le laisser pourrir quelque part. Voilà. Moi, j'en ai pris une hier pour ça. Et une petite, tu vois, puis je dis, bon, bah, je vais le faire, tu vois. Et j'ai trouvé, je trouve que c'est assez intéressant ce qu'il donne. Je t'enverrai le lien. Parce que ça rejoint ce que l'on est. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Et tu vois, en automne, on va laisser apparaître notre structure. Et on va laisser monter en nous qui nous sommes pour se restructurer, pour se réordonner, pour remettre de l'ordre en soi. Ouais. Bon, bah écoute, super, hein. Bah quand au début de du travail là, j'avais tout le côté gauche de mon œil qui, comme une barre, tu vois, qui travaillait là. Ça fait souf, souf. Bon, ok. Ouais. Oui, oui. Non, mais c'est très puissant. Hein.
très, moi, j'ai pas trouvé cette méditation quelque part. Hein. Elle m'est venue. J'imagine qu'il y a Puis elle a quelque chose de tellement logique, tu vois. Je veux dire, c'est... j'imagine qu'il y a des gens qui la font aussi. Voilà, moi j'ai reçu ça et c'est très puissant. C'est très puissant. Ouais. Et c'est ça simple, c'est pas long. Puis c'est... Puis je trouve que c'est poétique, hein, tu vois, c'est joli, quoi, de visualiser tout ça. Et tu vois, c'est ce genre de choses, hein, que je vais proposer sur homelive.fr, okay. dans mes ateliers. C'est ce genre de choses très simples. Parce qu'il est temps d'être dans la simplicité, c'est fini de... Ouais. Tous ces rituels et ces protocoles, et moi j'avais même plus, hein, c'est pas... Je suis pas la bonne élève là pour ces genres de choses, tu vois. Non. Faut que ce soit ludique, faut que tu aies un côté, tu vois, magique, merveilleux, tu vois. Autrement, moi je le vois là maintenant, cet arbre avec les paillettes et tout ça, tu vois. Mais tu regarderas, si tu regardes le live, hein, tu vas voir. C'était devenu complètement lumineux et bleu, vraiment autour de toi. Là, petit à petit, il y a ce lumineux. Se réabsorbe par toi, mais c'était devenu comme une aura de lumière autour de toi. Moi, j'avais les yeux fermés, mais quand j'ai ouvert les yeux, waouh, c'était complètement... Non, mais c'est mes cheveux blancs. Non, parce que là, tu vois, ça redevient petit à petit normal avec tes couleurs à toi. Mais là, non, c'était vraiment une aura de lumière autour de toi. Et, mais c'est ça, hein, lecture, il a une aura de lumière. Et c'est pour ça qu'on n'ose pas non plus se montrer, parce que ça fait un peu, tu sais, Twilight, quand ils montent bah, tu pas sais, hier, j'ai marché, puis je me suis arrêtée à la boulangerie, j'ai pris une chose que je ne fais jamais, j'ai senti de prendre un café, puis une bricole à grignoter dehors, sur la terrasse. Oui. On a une boulangerie bio, tu vois, et puis à un moment donné, passe un couple avec un petit garçon. Le petit garçon, il me regarde. Il avait des yeux, mais magnifiques. Et il passait, il me regardait. On aurait dit qu'il avait vu la septième merveille du monde, tu sais, il était... Ah, et puis tu sentais qu'il était heureux, tu vois, il était... Et donc, moi, je lui renvoyais ça, puis j'appréciais son regard, et puis il y avait comme une communication silencieuse qui se faisait, tu vois. Il devait avoir, quoi, 4 ans, les tu enfants... vois. Et oui, les enfants, si on peut avoir un message de fin, là, ben, c'est ça, c'est que les enfants voient la lumière, ils sont connectés d'une façon extraordinaire et on doit les protéger de tout ce que, on va dire, ces gouvernes qui mentent essayent de leur faire. Ouais, on doit vraiment les protéger parce qu'ils voient la lumière. Ce sont les humains du futur qui sont venus là maintenant. Et ils voient la lumière des gens, ils voient les ombres aussi. Hein. Et bien on sûr. Doit vraiment les protéger. On doit les mettre à l'abri de tout ce que, on va dire, les méchants essayent de leur faire via des tas de processus. C'est vraiment le point le plus important à cette époque. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et c'est d'ailleurs l'Apocalypse, c'est la révélation de ça. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Et c'est vraiment ça. Les enfants, Mot de la fin. On va conclure. Merci Nathalie, merci pour ton temps. Merci. À tous. Je suis ravie, vraiment. Ah, moi aussi, ça fait du bien. Ouais. Bon, bah écoute, de toute façon, on se contacte en privé. Quand tu as un moment, tu me dis. Et puis voilà. Et puis. Et puis, moi, je t'attends avec impatience ici. Oh, mais, mais tu sais, c'est en calcul dans ma tête. Hein. Ouais. Au revoir tout le monde. T'embrasse. Allez, oui, au revoir. À bientôt. Ouais, je te laisse sortir de... Oui, je ne sais plus comment on fait comme ça, je crois. Voilà. Bon, ben j'espère que vous avez apprécié. C'est toujours merveilleux avec Nathalie. Et puis, vous pouvez la joindre directement sur son Instagram et puis participer donc à ses sessions qu'elle va donner régulièrement. Vous aurez toutes les infos. Je vais les mettre aussi ici, mais vous les aurez aussi
sur sa page. Et puis, je vais poster tout ça sur, sur YouTube. Et comme je disais, il faut trouver l'endroit, mais je sais que c'est possible de mettre les traductions. Voilà. Ben, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de journée, et puis une bonne semaine à venir, et puis ben, une bonne fête de la Toussaint. Avec, je vous invite à regarder aussi sur YouTube les sagesses esséniennes. C'est super, c'est vraiment bon, rien de nouveau, mais c'est bien de l'entendre, d'entendre. Voilà. Voilà, je vous embrasse.